Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous partager un soin au miel pour avoir une belle peau. C'est-à-dire, on va utiliser le miel bio 100% naturel. Le miel, on peut l'utiliser mélangé avec des autres ingrédients 100% naturels pour fabriquer des soins faits maison 100% naturels. Mais aussi, on peut l'utiliser tout seul pour traiter les imperfections qu'on a sur la peau. Et aujourd'hui, je vais vous partager comment utiliser le miel tout seul pour traiter les imperfections qu'on a sur la peau, comme les rides et les boutons d'acné. Le miel a de nombreux bienfaits pour notre peau. D'abord, le miel est riche en antioxydants et cela veut dire qu'il est très efficace pour combattre les rides, pour les prévenir, mais aussi pour les retarder. Et ensuite, le miel est antibactérien et cela veut dire qu'il est très efficace pour combattre les boutons d'acné qu'on a sur la peau. Et à part ça, le miel est riche en vitamines, plusieurs vitamines et aussi en minéraux. Et grâce à sa forte teneur en vitamines et en minéraux, ça laisse notre peau toute douce et lumineuse et radieuse. Comment alors appliquer le miel tout seul sur notre peau pour avoir une belle peau? D'abord, il faut nettoyer le visage avant de l'appliquer sur notre peau. Et ensuite, une chose qui est très importante, avant de l'appliquer sur notre peau qui est déjà propre, il faut ouvrir les pores. C'est dans le but de faire pénétrer le produit en profondeur. Il y a trois façons pour ouvrir les pores. Première façon, on peut mouiller notre visage avec de l'eau tiède et après on essuie avec une serviette de bain et on peut l'appliquer ensuite le miel sur notre peau. La deuxième façon pour ouvrir les pores, on peut faire un bain de vapeur. La troisième façon pour ouvrir les pores, on peut mouiller une serviette de bain qui est propre avec de l'eau chaude et il faut l'essorer bien et ensuite on l'applique sur notre peau pour ouvrir les pores. J'ai déjà partagé une vidéo qui parle de tout ça et pour les personnes qui n'ont pas encore vu cette vidéo, si ça vous intéresse, je laisse ici le lien et comme ça, vous cliquez juste là pour pouvoir regarder la vidéo. Et donc, maintenant, je vais appliquer sur mon visage le miel. Là, j'ai rien sur ma peau et aussi j'ai déjà nettoyé ma peau. Et donc, je vais appliquer le miel. Mais avant d'appliquer ce miel, pour ouvrir les pores, je vais mouiller cette serviette de bain qui est propre à l'eau chaude. Je vais appliquer cette serviette de bain mouillée de l'eau chaude sur ma peau quelques secondes pour ouvrir les pores. Je vais aussi appliquer sur le cou parce que je vais appliquer le miel sur mon cou. Maintenant, je vais appliquer le miel. Là, il ne me reste pas beaucoup. Je vais appliquer le miel.
Moi, j'adore faire ce soin parce que c'est très facile à réaliser. Et en plus, ça ne coûte pas cher. Et ça laisse une belle peau. Il ne faut pas appliquer beaucoup de miel sur la peau parce que sinon après, ça va couler partout. Et donc juste un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais appliquer sur mon cou. Si vous avez des boutons d'acné, vous pouvez faire ce soin. Si vous voulez aussi combattre les rides, vous pouvez faire ce soin. Mais même si vous n'avez pas des boutons d'acné, même si vous n'avez pas encore des rides, vous pouvez faire ce soin pour avoir un joli teint, un teint lumineux, une peau toute douce. Voilà. Et il faut laisser agir le miel sur la peau pendant environ, moi je laisse 30 minutes, mais normalement on laisse 20 minutes. Et après, il faut rincer à l'eau froide. Ce soin au miel, il faut le faire une fois par jour pendant une semaine. Ça, c'est obligatoire. Mais après une semaine, si vous voulez continuer à faire ce soin, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais aussi, si vous voulez arrêter le soin après une semaine, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez faire ce soin tant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais, testez avant d'appliquer le miel sur votre peau, parce qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques au miel. Même si le produit est 100% naturel, il est possible que certaines personnes sont allergiques à certains produits. Donc, je vous conseille de tester d'abord pour savoir si vous êtes allergique au miel ou non. Si vous n'êtes pas allergique au miel, tant mieux, parce que vous allez avoir une belle peau utilisant le miel tout seul, comme je viens de vous montrer. Maintenant, je vous laisse et je reviens pour vous montrer comment est ma peau après avoir appliqué le miel. Je viens de rincer ma peau à l'eau froide et maintenant, je vais appliquer mon tonique et après mon sérum et ma crème hydratante qui sont tous des produits faits maison 100% naturels. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve le samedi prochain si j'ai le temps. Et à bientôt !